Oui, ce match-là, j'ai confiance. J'ai confiance à mes 11 joueurs. Ils ont commencé le début match. Donc, ils vont bien jouer. Donc, Inch'Allah, la Guinée va qualifier la Coupe d'Afrique 2025 à Maroc. Inch'Allah. Et puis, on va aller jusqu'au bout. S'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Jésus. On a tous, félicitations à tout le monde, tous mes coéquipiers qui se sont donnés à fond et ont mérité cette victoire qu'on a fait. Et félicitations au staff aussi parce qu'on a bien travaillé et c'était pas un match facile pour nous. Et les qualifications, on avait commencé par une bonne défaite. Et on était conscients vraiment qu'on devait gagner ce match. Et le match prochain aussi qui vient le mardi, Inch'Allah, on va le gagner. C'est toujours plaisir de voir les supporters guinéens ici parce qu'on joue à l'étranger. Et comme je l'ai si bien dit, ce sont les 10e joueurs de la Guinée, donc ça fait plaisir qu'ils viennent nous supporter. On les demande encore de venir le mardi pour nous pousser encore et gagner les 3 points aussi. Déjà, je suis très heureux de cette première victoire parce que j'ai apprécié aussi le contenu et le résultat. Maintenant, on n'est pas arrivé nulle part. C'est juste envie. Il faut continuer à avoir affiché le même état d'esprit qu'on a eu sur ce match. Avec un souci, avec de l'orgueil, avec de la fierté aussi pour le civil national et pour le peuple guinéen. Mais ça reste une première étape. On va bien récupérer et se projeter sur ce match. Bien sûr, on se nourrit des victoires. C'est bon pour la confiance, pour le staff technique, pour les joueurs. Donc c'est toujours agréable et ça permet aussi à tout le monde d'avoir une énergie positive. Donc c'est le cas ce soir. Maintenant, je dis, il ne faut pas s'arrêter. Il faut déjà se projeter sur Mars. C'est un grand joueur. Il a prouvé ces dernières années. Et il est encore là. Il a réussi déjà ses débuts, ce qui n'est jamais facile. Ça lui a encore aussi un peu de pression. Aujourd'hui, il vient avec des conseils. C'est bon pour la civil nationale. On a besoin aussi de joueurs qui vont juger aussi tout l'effectif. Il est à la finition, il est à la conclusion. Les joueurs ont été à l'écoute. C'est vrai qu'on a trouvé un peu de fluidité dans notre jeu en première mi-temps. Après, ça n'engage à rien pour la suite. Il faut continuer à travailler et se dire que voilà, il y a des débuts d'acquis, mais il faut confirmer tout ça. Il faut continuer à se préparer de la meilleure façon pour être efficace sur le plan offensif et sur le plan défensif.